allez, j'éteins. Ouais, une seconde, non? J'ai pas fini de lire. Il n'y a plus un rond au château, on économise les torches, c'est la consigne. C'est la consigne pour les larbins, pas pour nous. Alors on fout les larbins dans le noir pour éponger le déficit? Avec le boulot de con qu'ils ont, ils s'endorment comme des masses, ils ont pas besoin de lumière. De toute façon, ils savent pas lire. Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu? Sire, croyez-nous, c'est catastrophique. Séché, désossé, plus un radis, les caisses sont vides. Et c'est pas une image, hein? On voit le fond. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'on faisait gaffe. Mais qu'on faisait gaffe? Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Je rêve? Sire, je peux vous affirmer que les dépenses engendrées par les réceptions officielles sont loin d'égaler le budget colossal englouti par la défense du territoire. Ah ben ça y est, je l'attendais celle-là, sauf peut-être que j'ai fait acheter 3 catapultes le mois dernier. 3 catapultes? Non mais vous êtes marteau! Ah ben faut ce qu'il faut, hein. Je vous signale au passage que c'est à cause de ça qu'on n'avait plus que des asperges à servir au prince vandale. Il n'y a pas de honte à servir des asperges. Non, mais que des asperges, ça fait un peu rapide, excusez-moi. Mais enfin, le truc c'est qu'après, s'ils vont raconter partout que le roi Arthur sert que des asperges et qu'il n'y a plus un rond, hein, c'est tous les envahisseurs de la planète qui vont radiner pour nous assiéger. Oh bah alors, je les attends les mecs, hein. Avec les 3 catapultes qu'il y a dans la cour, ils ont intérêt de se pointer avec autre chose que des lance-pierres. Ça arrive d'être aide. Le pognon, ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Qu'est-ce qui m'incite des proverbes, celui-là? C'est pour ça que vous l'avez fait venir? Non, non, c'est juste que j'ai pensé, mais éventuellement, hein, qu'il pouvait peut-être nous donner un coup de main. Coup de main, c'est beaucoup dire, hein. Un petit coup de pouce, quoi. Je ne vois pas en quoi un marchand d'esclaves pourrait nous aider à nous sortir de nos problèmes pécuniaires. Ben, j'avoue que je vois pas bien non plus. Vous comptez nous racheter le château à bon prix? Non. Oh. Enfin, attention, si vous êtes vendeur, je vous fais une proposition aux oignons. J'ai justement besoin d'un grand local pour entreposer des shintoks. Sire, est-ce que nous avons vraiment besoin de nous adresser à cette vermine? La vermine, elle va peut-être vous sortir de la purée. Alors un peu de respect, ok? Bah vous la crachez, votre pastille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Attention, c'est spécial, hein. Prenez-le pas de travers. Bon, allez-y, montrez-lui. Ouais, c'est du pognon? Ouais, c'est du pognon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'en pense que je suis content pour vous, mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? J'en ai des pleines caisses de ça. Avec toute la viande humaine qui fait circuler, ça m'étonne qu'à moitié. Non mais sans déconner, regardez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense? C'est des pièces, quoi. Il y a ma gueule dessus, voilà. C'est pas des vrais. C'est moi qui les fabrique. Comment? Vous vous foutez de moi? C'est bien fait, hein? Bon, je vous en mets combien? Vous me dites que les caisses sont vides. Je propose de les remplir, vous êtes pas content? On peut savoir depuis quand vous vous fabriquez votre propre pognon? Cet homme participe à la ruine du royaume, sire! Ça va, on va pas faire un flan pour 2-3 piécettes. Non, mais c'est pour mon usage personnel en plus. Vous êtes conscient que je devrais vous faire arrêter et vous balancer dans une cage jusqu'à ce que vous soyez décomposé? Attendez, moi j'essaye de vous rendre service. Organiser l'inflation, vous appelez ça nous rendre service? Mais qu'on remplisse les caisses avec du vrai ou du faux pognon, honnêtement, qu'est-ce que ça change? Écoutez, je vous fais un bon prix. Ah, parce que vous les vendez en plus? Bah. C'est honteux! C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette! Non, mais parce que ça se passe chez moi! J'aimerais bien voir la tête que vous feriez s'il fabriquait des pièces de votre royaume à vous! Ah, la Carmélide? Ouais, j'en ai aussi. Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu. Vous croyez que ça se pourrait qu'il y ait des fausses pièces qui circulent en Carmélide? Bah, évidemment qu'il y en a. J'en ai acheté, moi. Quoi? Oh, bah, de mieux en mieux! Attendez, pour 15 vrais, j'en ai 50 fausses, le calcul est vite fait. Avec les malheureux trois ronds que vous me faites tomber tous les mois, il faut bien que je trouve des combines.